Bonjour, je suis Reginhardt, l'auteur des Cycles d'Ouranos, et je vais vous présenter, le tour d'une esquisse, les personnages du volume 1, Héraclescos, premier épisodion. Aujourd'hui, troisième croquis du personnage principal de ce premier arc, Alcidéus, aussi connu sous le titre d'Héraclès. Alors, pourquoi le nom Alcidéus ? Au début de ce premier volume, Héraclès ne se présente pas comme tel, mais comme l'Héraclès. En bref, le détenteur d'un titre, le responsable d'une charge, d'un devoir. Plus tard, au fil de l'intrigue, tout sera explicité à ce sujet. Mais déjà, d'où vient le nom Alcidéus ? Un nom que vous ne trouverez nulle part dans les mythes anciens, et pour cause. C'est un parti pris de ma part de jouer, un peu, avec les noms grecs d'origine. Nous sommes tous habitués aux noms latinisés des figures de la mythologie grecque, comme par exemple Pollux, qui est le nom latin de Pollux de Caisse. Plus significatif encore, Ulysse, qui semble à l'oreille bien loin de l'Odysseus originel. Celui qui va devenir dans la légende le futur Héraclès est baptisé à la naissance du nom de son grand-père, Alcaios, souvent traduit en Alcide, version latine, ou Alcée, la version grecque. Car finalement, la transcription des mots grecs sont souvent, déjà, des adaptations culturelles. Je vais donc créer le nom Alcidéus en commettant un hybride entre Alcios et Deus. Personnellement, mon but était de réinventer les mythes sans les trahir. Il faut reconnaître que le grand public ne connaît pas le nom initial d'Héraclès. Ce n'était pas une grande trahison de jouer un peu avec ce nom pour lui donner un certain sens, et surtout pour moderniser avec une pincée d'originalité le nom initial. Alcidéus est donc l'addition d'Alcios et de Deus, afin d'arriver à quelque chose qui pourrait se traduire comme la force d'un dieu. Ce qui, au vu du destin du personnage, tant fantasmé par ceux qui l'ont vu naître, trouve dans l'intrigue son entière justification.